Écoutez, regardez, comprendre et interagir. Même dans le pays, quand les problèmes courants résout déjà à 100%, tout gros business toujours procure un bon génératrice en backup pour 6 ou 4 à 4. Pas bon ici, dans un fait bon génératrice, ça génère déployer énergie qu'il faut pour le porter pour nous, puis bon, qui c'est génératrice commence. Sauti 12 kW pour arriver 3.4 MW, axo génère énergie ou dans la main pour gérer caillou business ou bien éclairé. Avec un système automatique, même là, il y a un blackout, nous pas même gagner pour nous dire what. En tout cas, sous affaire génératrice Comens, yo, m'pa gaspiller énergie. Nous ka passer kounya nan so génère sur route aéroport dans bloc 3 mer ou bien nous ka taper 2250 1550 2250 1556 pour nous reler sur génère kounya pour plus lumière. Combien famille, combien amis, combien monde en Haïti chaque jour qui mouri à cause de goutte sang. Combien frères, combien sœurs, cousins, cousines, combien mon compère, voisine qui périt à cause quelques gouttes sang. Au moins, à moins, B moins, A B moins, fait partie groupe sanguin à crisis qui pis difficile dans le monde là. Les gens qui ont besoin de sang, c'est problème. Renaxan, qui c'est une organisation sociale à caractère humanité qui a fait promotion pour droit la vie et la santé, a invité chaque monde vin bay sang pour ensemble nous continuer bay la vie j'arrête. Ou même qui gen groupe sanguin résist négatif, Renaxan c'est un mouvement positif qui concerne au directement. Renaxan tout côté sur réseau social. Mais pour plus d'informations, au carré les dans 36 17 71 08 33 23 50 80. Renaxan, yon l'autre famille qui a campé bon côté ou dans un moment difficile, difficile. Message ça jeune bourade, média côté attendez là. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer son examen pour voir si monsieur au courant des dernières techniques et des derniers produits qui gagnent sur le marché. Donc, type son tête noble, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle m'sie proche bon la kaili. Parce que si tu penses on éteint l'enfer, l'ici fait pédi job li. Baye di fait un bois long kembe, rele ti pinson tête noble. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Même j'en corps ou besoin vitamines et protéines pour rester en forme, c'est qu'on s'attouve véhicule ou besoin bon batterie pour bien marcher. BMF Partner et puis référence marché à la cause de vente à distribution pièces originales, compte secret et puis poté pour batterie TCS. Ah oui, y a une révolution à cause de puissance pour tout type de véhicule, qu'il soit auto, jeep, moto ou soit camion. Et pour gagner batterie TCS ou pas payer un yen. Durabilité, force, résistance, bonne qualité, tout ça y a besoin dans batterie TCS. Ça qui est intéressant, l'achat de batterie TCS, il y a bon garantie 12 mois. Qui donc tout jour pas perdu, c'est acheter. Mettez-le et puis posez. Vin fait plus belle, plus bonne expérience la vie ou na question accessoire pour machine. Nous connaissons sous main. Choisis batterie TCS Paola depuis jodia et puis dites tout. Ça fait coup de câble là, ça finit désormais. Depuis ou pensez batterie, pensez TCS. Vous avez joué dans tout autopart avec dans magasin BMF qui chita colle numéro 43 rue des Casernes, Port-au-Prince. Pour toute commande batterie TCS ou relez dans 28 11 88 88 28 11 88 89. TCS, énergie à vie. Côté toute connaissance, un technicien mécanique qui a gagné, pour un propriétaire véhicule gérer une relation amicale liée avec lui, faut que vous ça toujours référé propriétaire machine. Yo Auto Parts qui vend pièces bon qualité. Technicien mécanique yo pour aider à gérer toute maladresse dans relation amicale nous avec propriétaire machine yo, Amical Auto Parts campé dans deux adresses. Numéro 18 rue Chantement, c'est du magasin de l'État. En bas la ville également dans numéro 43 rue d'Arguin Pétionville. Et pour nous souder relation amicale nous beaucoup plus, Amical Auto Parts 15 jours garantie sur toute pièce. Pour tout contact Amical Auto Parts, relez Kounia dans 34 83 67 67 22 26 18 21. Avec plus passé 50 000 pièces détachées sous étagère Amical Auto Parts pour quelle que soit machine. Nan. Ça fait pas une pièce là. Avec Amical Auto Parts, pas gain sa pièce. Vous êtes une belle tête de femme? Et vous aimeriez l'être encore plus tous les jours? Si.
Les professionnels de Lasky Beauty Salon savent comment prendre soin de vous et magnifier votre beauté. De la tête aux pieds, aucun détail ne sera négligé. À Lasky Beauty Salon, vous ne vous faites pas uniquement coiffer. Vous êtes conseillé sur les meilleurs produits qui conviennent à vos cheveux. Pour une occasion spéciale ou juste pour vous faire plaisir, pensez à Lasky Beauty Salon. Manucure, pédicure, maquillage, tresse africaine, locks ou plus encore, ressortez de Lasky Beauty Salon avec un look de diva comme si vous alliez faire la couverture d'un grand magazine. Lasky Beauty Salon, c'est aussi la mode au masculin. Quel que soit votre style, vous êtes certain de trouver un coiffeur qui comprendra exactement ce dont vous avez besoin. Et pour compléter votre look, Lasky Beauty Salon vous offre un département accessoires très achalandé. Vous y trouverez des chaussures, des sandales, des bracelets-montres, des sacs à main et plus encore. Passez-nous voir dès aujourd'hui au 14 de la rue Aubran à Pétionville et laissez-nous prendre soin de vous. Pour information, appelez-nous au 33 93 69 70 ou au 33 55 45 77. Coronavirus et choléra fait un pile monde comprendre plus bien importance laver mais avant de manger et puis bien laver fuit avec légumes gain dans protéger tête yo contre un pile maladie grave qui passe suspend semen day dans pile famille. Geste ça yo a toujours important pour tout reste la vie nous. Attention pas capon. Prévention c'est richesse. Sanana coupe gwen ou gang ou zèl voye di nou vin kase chen ak kòd ki mari persécution pa ka jwenn travay persécution pa ka fè piti persécution pa ka paye kay persécution pou pa jwenn visa rele ou gang ou zèl ou bien whatsapp nan 215 954 7150 peristyle ou gang ou zèl chita kòl nan 23 Senton Avenue Philadelphia 19138 kèl ke swa kotoye nan mond lan depi kòd lombri gran paran ou yo plante Ayiti ou se ayisyen apre nou se nou si ou pa temps pour venir dans habitation relé ou gang ouzel commander ben ou la vinn joine nous ben majok ben chance naturel ak ben guillon pour déguillonner tout sac pavlo fait succès gagne en bolette et la trier pas quitter jou barre ou vini au soir relé dans 215 954 7150 pour chercher connait ay bobo Depuis création li comme force républicaine, police nationale d'Haïti continue à prendre mission li protéger la vie ak bien population. Pour répondre à engagement ça, chaque jour institution pas suspend mobiliser toutes ressources moun ak matériel li yo, yon façon pour capable satisfaire population. Pourtant, pendant dernière année sa yo, à cause phénomène grand banditis la, PNH la oblige à adapter l'an souci pour combattre plusieurs gangs armés qui pensaient être capables de terroriser la population. Face à un plein banditis la, qui a développé sous différentes formes, la population a un rôle important de doit jouer dans continuer à collaborer avec la force police. Il y a une démarche, commandant en chef PNH la, Frantzel B, qui est capable de faire un pile résultat positif. On continue de jouer, on mène en main la population. Avec la police, là, nous sommes capables de faire un pile de bagailles à anti-crasse. Moment, son moment d'unité, tête ensemble, main en main, pour que nous puissions sauver Haïti. Dans le cas de mariage ça, entre la population et la police, qui est capable de permettre la police de démanteler tout réseau de gangs et puis faire la paix retourner dans le pays, DGPNH, la Frantzel B, profite de sa volonté, détermination, ak engagement tout policier qui bay tout yo même nan kat go combat sa. An nou met tèt ansanm kore force police parce que nou kwè yon mariage police population. Un mariage différents secteurs nan peyi a. Pou nou kore la police la nan lutte que la mené kont bandi. Nou ka fè an pile bagay sans que nou pa bezwen gros moyen. Men li mande tèt ansanm. Li mande unité nan pa men nou. Et m'encourager base la police là sorti agent 1 pour arriver dans directeur général nous grand frère nous que nous ferons seul pour affronter la réalité aujourd'hui là la risque la loi
dans le respect de la constitution pays. Yon l'autre bord, directeur général à Ipolis National là, Fonsel B, continue de lancer un appel vibrant à tout secteur dans la vie nationale là, la presse en particulier, qui toujours gagne un rôle important, li jouer dans tout engagement qu'a prend pour avancement société a. Tout policier, menomen m'a continué combat pour sécurité et tranquillité dans le pays. Yon mariage police-population, yon mariage police-presse. Nous avons fait un pile bon bagay avec un petit crasse moyen. Combat de grand banditisme là sous toute forme dans le pays, c'est une principale priorité au commandement PNH là, qui continuera possible avec diverses opérations tout partout dans tout le pays. Yo, she's gonna bag us up, she's spoiling my pain. Pop my beats, sippy boy, trois problèmes. Chaque jour, n'a guet ton bal à chanter. Maman dit, c'est taxé, tu m'allais. Papa, bon Dieu, dis un mot souple. Pour tout crime, ça y'a qu'à camper. Quand pile dans nous qui termine. Yo, pas nous hommes pour faculté. Fais entre nous chaque jour, n'a tiré. On s'en fait, nous n'a fait couler. Chaque gouvernement qui monte. Aucun changement, les va voter. Jusqu'à les bagages, ça a fini. On vote nous encore qui pini. Mental, nous avons un problème de là. Développer bon sens, humaniser une solution de là. En un pays, nous voulons plus fraternité, nous besoin de Mandela. Tout ça qui a mis au SNP, ça qui a vu les 10 000 kids. Nous avons une mission pour nous faire ça que j'ai. Chercher, vous n'avez fait sacrifice. Ma prière, vous avez fait ça, bébé. Non, nous pas voulons la paix, bébé. Nous faisons notre terre et nous tournons notre terre. Et là, je dis des mots, tant d'il pas là. Tout ça, c'est bandit qui fait l'aller, papa. Ma prière, SNP. Si Jimmy, pour moi ou t'es plus que yon zami. Trois problèmes, trois dosados, trois domination. Trois crimes qu'a fait, trois tribulations. Trois sans vouloir, moi t'y faut que ça change. Trois problèmes, trois dosados, trois domination. Trois crimes qu'a fait, trois tribulations. Trois sans
mental nous gagne problème de là. Développer bon sens, humaniser une solution de là. En un pays où les plus fraternité, nous besoin de Mandela. Tout ça qu'a dit le SNP, ça qu'a vu les 10 000 qui nous gagne mission pour nous faire ça que j'ai. Chercher bonheur, faire sacrifice. Ma fouille au grand maître, fais un bébé. Non, nous pas v'lé la pépépé. Nous faites notre terre et nous tourner notre terre. Et là, je dis des montants d'il pas là. Tout ça, c'est bandit qui fait l'aller pas bas. Sen pis, ti Jimmy, pou mwen ou te plis, ke yon zami. Trop problème, trop problème, trop dosado, trop domination. Trop crime ka fait, trop tribulation. Trop sans boule mwen ti fok sa chanje. La life blême, moi les petits boules sec. La vie m'passe et n'est qu'une femme compliquée. Will the Wicked! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous, jeudi, mardi 14 mai 2024, c'est deuxième parette émission Tibat Bouche. Qui entre la caillou. Déjà, nous avons souhaité bienvenue dans le cadre de deuxième sautissa. J'aime de dire là, jeudi, c'est 14 mai, et on a émission Tibat Bouche. Émission Tibat Bouche, qui c'est émission ça, côté que nous parlons pays, côté que nous parlons engagement citoyen. Parce que j'en ai toujours dit, nous croyons que un pays pas qu'à exister sans citoyen. Un pays pas qu'à exister, pas qu'à survivre sans engagement chaque monde. Chaque secteur qui fait partie de lui, engagement dans le sens développement pays ça. Donc c'est dans le cadre ça, émission Tibat Bouche, chaque jour, 1h, 3h, faite sur RSF, en façon pour conscientiser chaque citoyen, pousser à l'action, mais tout qui permet qu'il y ait été informé de ça qui a passé dans le pays, surtout sur le plan politique. Donc, c'est une émission de prise de conscience, une émission d'information, une émission côté que nous échanger entre nous, nous-mêmes avec auditeurs, nous échanger également avec des invités, toujours avec beaucoup de courtoisie, mais jamais, jamais de complaisance. Je dis pour présenter l'émission, même j'ailleurs, nous sommes Ruben Sisma, et déjà nous souhaitons bienvenue à bord, Rally Tichès Pau, parce que nous allons parler Kounia. Jean nous toujours fait le cadre émission ça avant que nous entrions dans sujet yo cap sécobil actualité hein. Nous t'a aimé faire on passer bien vite sur quelques points qui fait la une dernière heure ça yo dans actualité nationale surtout. A quitter actualité politique là pour après mais nous apprendre que j'en ai parlé hier de insécurité hein? Et bien insécurité elle-même n'est pas suspendre faire rage et fois ça c'est la police institution malheureusement qui l'a pour assurer sécurité hein? C'est lui-même qui est victime dans rang puisque policier parfois ça qui relé Danas Jean les victimes dans mais nèg exam dans commune Carrefour ça passé hier lundi 13 mai na aswe na zone côte plage 22 policier ça mouri malheureusement et moun ki te commet crime ça te tout aller avec corps malheureusement. L'autre information gen yon remonté spectaculaire désolé de zak viol yo nan département Gadans. Donc c'est environ 5 cas de viol qui enregistré dans la période de yon semaine. Donc ça fait quand même beaucoup et dans la majorité des cas c'est des enfants de mineurs, OK, de petits enfants même si on t'a dit comme ça qui victime zak viol ça malheureusement. Donc c'est sûr que autorité judiciaire yo pral obligé prendre des mesures pour que genre de zak ça que nous connaissons qui gagne de conséquences à long terme sur victime yo pas continuer répéter en dans département. Donc nous gagne un petit monde 11 l'année qui arrivé victime viol là mais frère qui a 45 l'année
y a l'autre petit monde 7 l'année victime viol dans un jeune braille un grand monde 31 l'année et puis un jeune garçon de 21 l'année qui malheureusement violé un petit monde qui gagne seulement 5 l'année et mettez sous ça gagne un viol de un petit monde de sexe mâle qui gagne 12 l'année et un jeune garçon qui au poko identifié l'âge dit malheureusement ta violé. Donc c'est ensemble de cas de viol qui a enregistré dans le département Grand-Anse là. Maintenant pour ça qui gagne pour avec actualité politique là. Donc plus passé 48 heures de temps après ça nous connaît qui était passé dans commune Grissier et bien conseil présidentiel là sorti une note pour réagir. C'est ça que nous t'a parlé hier, c'est toujours réaction hein, c'est réaction. C'est réagir donc conseil électoral a réagi par rapport avec ça qui était arrivé dans la commune Grissier. Donc il t'a semblé voulait faire croire que eh bien toute bagaille sous contrôle pour qu'on y a, mais dans les faits c'est pour ça. D'ailleurs toute dans mi-temps journée nous t'a apprendre que gain deux zones en dans commune Grissien côté que les exam t'a mis du feu là-dedans donc population qui aux abois t'a appelé mandé qu'on coule la police et mandé pour suspendre pas oser bon m'a utilisé mot moun yo même qui dit suspendre fait show off dans commissariat Grissien descend à terre plutôt parce que yo même dans l'aria yo a fait face avec Jacques Couyoté monsieur malheureusement qui était débarqué dans commune Grissy donc la police c'est vrai nous connaît que c'est bien c'est une victoire qui bon pour moral pour montrer que nous prend commissariat nous nettoyer etc. Oui c'est très bien mais l'important pour nous songer que gain de monde qui réellement ab victime de ensemble action donc moun sa yo besoin secou nous et fòk nous fè en façon pour que nous rejoignent moun sa nous à peine apprendre tout dans actualité que gen structure ça qui rassemblé femmes c'est dans commune Carrefour c'est mouvement femmes vaillant Carrefour qui rele Mofavan bien Mofavan bon dire comme ça de préférence. Eh bien, yo ta adressé yon correspondance by coordonnateur CPTA à la personne de monsieur Edgar Leblanc fils. Côté yo ta mandé pour que li côté que yo ta dit, yo ta choisi désigner monsieur Jean-Michelet Mondestin comme premier ministre et yo fait proposition ça sous prétexte que faut tout secteur impliqué dans vie nationale là donc en tant que secteur femme yo pensez que li important pour que yo même yo gagne droit de regard yo sous ça qui a fait en dans période transition. Donc voilà mesdames et messieurs pour l'actualité. Donc nous connaît déjà gens qui nous t'ai dit depuis hier inscription y a continué en dans CPA dans villa d'accueil là disons mieux pour poste de premier ministre. Donc les choses vont bon train mais entre-temps le pays se meurt. Je viens d'arriver nous font petit bas de bouche, nous font petit parler sous correspondance ça qui adressé à monsieur Edgar Leblanc fils. Et c'est signataire de accord politique 30 janvier qui t'a voué correspondance. Nous te vle gagner réaction quelques signataire par rapport avec correspondance. Malheureusement, nous pas ka joine yo, malheureusement. Mais quand même parce que nous ca
Donc arrêtez, font un petit bas de bouche, font un petit parler sous correspondant ça. Donc m'appli rapide parce que ça prend 5 minutes pour me lire correspondant ça. Correspondant ça, il adressé j'aime te dire avec monsieur Edgar Leblanc fils. Il est parti comme ça. Monsieur le coordonnateur. Le collectif du 30 janvier, partie prenante du processus politique initié le 11 mars 2024 sous les auspices de la CARICOM, signataire de l'accord du 3 avril donnant naissance au Conseil présidentiel de transition CP, est profondément préoccupé par la diffusion d'un document portant la signature des conseillers intitulé « Résolution relative à la prise de grandes décisions ». Ce document mentionne entre autres, petit a, à défaut de consensus, toutes les grandes décisions du Conseil seront prises par une majorité qualifiée de ses membres, soit 5 sur 7 votants. Petit b, que l'on a procédé à une présidence tournante applicable aux candidats de l'élection présidentielle du 30 avril 2024. Cette résolution, entachée de vices de fond et de forme, met en péril l'existence et la viabilité du Conseil présidentiel pour les raisons suivantes. 1. Le statut juridique d'organe de l'État conféré au Conseil présidentiel de transition par le décret du 12 avril 2024, moniteur spécial numéro 14, ne peut être remis en cause par une résolution. Un acte qui, en essence, n'a aucun caractère contraignant. 2. Le décret du 12 avril 2024 stipule en son article 3, le Conseil présidentiel de transition est présidé par un de ses membres choisi par consensus ou à la majorité de ces derniers. Un acte réglementaire pris en conseil des ministres, détermine l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. 3. Le 30 avril 2024, conformément aux dispositions du décret susmentionné, une majorité de 4 conseillers sur 7 a supporté le choix de M. Edgar Leblanc fils comme coordonnateur du Conseil, comme me l'atteste la cérémonie de présentation publique faite par le conseiller Frisnel Joseph avec le consentement des autres conseillers votants. 4. L'accord du 3 avril signé entre les parties prenantes ne fait nullement référence à une majorité qualifiée et à une présence tournante. L'article 4-1 de l'accord dit clairement « Le conseil présidentiel est coordonné par un de ses membres faisant office de président du conseil et choisi ou élu conformément aux documents portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel, qui n'est autre, sous réserve de son abrogation, que le décret du 12 avril 2024. 5. Suivant la loi haïtienne, les attributions présidentielles, à de rares exceptions près, sont exercées de manière partagée par le gouvernement par acte pris en Conseil des ministres et avec le président. C'est pourquoi les signataires de l'accord du 3 avril 2024 avaient pris soin de ne confier aucune tâche d'exécution au Conseil présidentiel. L'article 4 du dit accord indique clairement que le Conseil présidentiel assume de manière collégiale l'orientation et le pilotage de la transition. 6. Le paragraphe 4 de cette dernière, en violation de l'esprit et de la lettre de l'accord du 3 avril 2024, semble être une tentative subtile de subordonner le CP à des intérêts particuliers et partisans. Ce paragraphe implique indûment le Conseil présidentiel dans les actes de gestion et d'exécution incompatibles avec sa mission qui est de garantir la stabilité et la continuité de l'État. Parce que ces actes d'exécution vont multiplier les risques de conflits de compétences et d'autorité avec le Premier ministre qui pilote la politique du gouvernement. Le collectif du 30 janvier reste attaché au processus consensuel initié le 11 mars 2024
ayant conduit à la mise en place du Conseil présidentiel de transition, un organe de l'État maintenant astreint au protocole républicain régi au même titre que les autres par les lois et les procédures de l'administration publique haïtienne. En conséquence, le CP doit respecter et faire respecter les conditions d'existence et de validité des actes juridiques. Le collectif du 30 janvier formule donc les présentes réserves pour les suites de faits et de droits et vous prie de recevoir, monsieur le coordonnateur, ses respectueuses et patriotiques salutations. Copie conforme à monsieur Patrick Boisvert, Premier ministre AI. Les map li correspondant ça moi gagne tout particulièrement yon élément qui attire attention qui ça élément ça bon, plusieurs éléments qui attire attention mais gagne deux en particulier que mettez focus sur premièrement me trouvais que c'est intéressant pour que le collectif du 30 janvier, eh bien, écrit M. Edgar Leblanc fils, coordonnateur, président du Conseil présidentiel, pour que l'y rappeler première chose, que le CP ne doit pas être subordonné à des intérêts particuliers et partisans, et aussi que le CP doit rester attaché au processus consensuel. C'est bien. C'est très bien. Ce serait même excellent. Mais pour ça, faut que c'est pas de CP1. Faut que c'est pas de collectif 30 décembre, disons mieux. En fait, pas collectif 30 décembre, non, disons collectif 30 janvier qui était fait on va dire comme ça parce que il n'y a pas longtemps de cela, nous t'avons assisté à une formation en dans CP1 qui, faut-il le signaler pour que j'en pose aucun acte concret à part goumé entre yo, entre moi pour qu'on qui est capable de contrôler CPA, faut nous rappeler que, eh bien, collectif 30 janvier jeudi, qui a parlé de rester attaché au processus consensuel, qui a parlé à ne pas subordonner le CP à des intérêts particuliers et partisans, eh bien, collectif 30 janvier a fait partie de ça que nous relais BMI, qui c'est le bloc majoritaire indissoluble. Maintenant, nous t'as qu'à poser tête nous quelques questions. Oui, c'est vrai, nous condamner que je dis c'est malhonnête pour que un groupe monde t'a voulu prendre contrôle CP1. C'est très malhonnête pour que nous subordonner le CP à des intérêts particuliers et partisans. Là, je répète les mots mot pour mot vraiment de correspondance. Nous d'accord que c'est malhonnête. Mais est-ce que réduit CP à 4 monde qui fait partie d'un bloc est-ce que c'est pas même bagaille que nous avons dénoncé aujourd'hui là qui c'est réduit CP ou bien subordonné CP à intérêt groupe monde ça qui était formé bloc majoritaire là parce que c'est là oui qu'il faut se poser les vraies questions. En fait, nous avons un problème en Haïti. Bon, bamba dit, dirigeants, nous avons un problème en Haïti. Nous faisons avec la Constitution, nous faisons avec toute l'autre bagaille. Nous connaissons les règles. Nous connaissons qui ça qui doit faire. Nous connaissons qui ça qui est normal, qui ça qui est bon. Mais, nous ne mettons pas entre parenthèses, entre guillemets, entre cochers, entre tout ça, nous voulons. Depuis, nous n'avons pas d'avantage. Ok? Depuis on pas avantage nous c'est Jean Mounio t'a dit dans la rien baïonnette c'est fait loi c'est papier et bien nous-mêmes nous décider prendre baïonnette nous décider faire un coup de force
il n'y a pas très longtemps de cela, 4 groupes sur 7 en CPA. Je parle de monde qui gagne de secteur qui gagne droit de vote. 4 groupes menés par Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles et par Aidé Compromis Politique et RED mené par Claude Joseph entre autres. Eh bien, deux groupes Mounsao te mette ensemble avec le collectif 30 janvier, justement, et avec, oh, m'lie troisième partie. En tout cas, c'était 4 parties. Collectif 30 janvier, m'kwa c'était collectif 31 décembre. Pas 31 décembre, non, 21 décembre, oui, accord 21 décembre, qui est comme représentant. 21 décembre, qui est comme représentant lui, Gérald Gilles, oui. Donc, 4 structures, ça, yote mette tête yon ensemble. Yote formé un bloc majoritaire. Et dans le document qui forme bloc majoritaire, là, yote écrit que toute décision qui apprend en dan bloc majoritaire, la supporté par tous les membres du bloc majoritaire. Autrement dit, quatre membres ça qui gagne droit de vote là. Si on te prend une décision en dans CPA, pas gagne moun qui ta cabaré. Nous quoi comprendre ça me dire là. Pas gagne moun qui ta cabaré. Autrement dit encore. CPA tape carrément plié en bas volonté particulier intérêt groupe ça qui te fait partie de bloc groupe ça yo qui te fait partie de bloc majoritaire là et parmi groupe ça yo moi dis nous que gagné justement le collectif 30 janvier qui représenté par Edgar Leblanc fils. Maintenant, je dis, hein, nous songez que c'est un processus consensuel. C'est très bien. D'accord. Nous songez que le CP ne doit pas être subordonné, à des intérêts particuliers. C'est très bien. Mais est-ce que si bloc majoritaire bloc majoritaire là t'es toujours existé, t'es toujours solide, t'es toujours indissoluble. J'ai noté l'effet collant. Est-ce que c'est encore même position? Donc, nous avons réassisté là avec même image que nous t'es toujours wayo. Ça a gagné 30 ans, 40 ans. C'est de groupe entre guillemets vautour qui voulait dans n'importe condition emparer au de pouvoir pour c'est eux seulement qui gagnent la voix au chapitre. Les vieilles habitudes demeurent malheureusement. C'était clair selon ça qui était écrit dans le moniteur, vous avez là que c'est consensus qui a fait toute bagarre dans CPA. Mais nous venons nous former bloc majoritaire. OK, bloc majoritaire, il était indissoluble. Kounya li dissoudre. Kounya ou gen tractation qui a fait parce que chaque monde besoin de pa dans gatoa, chaque monde besoin pour ceux qui a dominer pour ceux qui gen contrôle CPA pendant un certain temps. Dans 21 mois, chaque nèg ak femme vle c'est eux pendant un certain temps qui gen la voix au chapitre. C'est eux qui a dominé. C'est eux qui a fait et défait. Donc par rapport avec ça, ils ont tranché, 21 mois. Ça qui sont problème. C'est tout côté virer ces problèmes. Déjà pas supposé gain question bloc majorité indissoluble. Même si tu gon accord, on pas connait entre différents secteurs. Il était supposé un accord tacite
li te supposé un accord qui pas obligé formaliser gens le formaliser a li pas obligé écrire un document qui dit oui depuis on décision prend entre nous tout on a supporté le OK si vraiment pas nécessaire nous tous d'accord que c'était un processus pour contrôler CPA je dis hein bloc indissoluble là abdissodical patical et puis 30 janvier kounya li songe rapidement que faut nous protéger CPA pour pas tomber en bas intérêt particulier et partisan entre temps songe même j'aime te dire à songer que gen moun ka mouri ça aussi des faits réels songer que très bientôt c'est un mois qu'approcher sous CPA là et que pas aucune mesure concrète qui déjà prend pour sortir pays en bourbier que il est là songer ça donc c'est bien nous pas gen problème. Pas de problème avec signataire Himleri, Buana Cassi Jean-Hector, Ketel Jean-Philippe, Liné Balthazar, Clarence Renoir, Jean-André Victor. Nous pas de problème avec. Mais nous d'après mais que pas de question de poids, de mesure. Ce soit principe nous appliquer dans toutes circonstances ou sinon nous mettre notre principe. Parce que on dit l'autre tata dit nous pas faire ça nouvelle là non mais faut que bagaille gon gens au fait faut que ça qui dit yo faut que ça qui entend yo faut que capable respecter en tout cas n'attend qui décision qu'après attendre qui décision qu'a prend. Maintenant, est-ce que j'aime monsieur solide là sous position faut gagne 4 coordonnateurs pour conseil là pendant période 21 mois, est-ce qu'il a pris de focus comme ça? OK? Est-ce qu'il a pris de focus sous principe 4 sous principe présidence tournant ça? Ou bien est-ce que qui a fait on plus ou moins une action là de bonne foi pour dire au moins Jean que collectif là mandé ça en nous fait effort pour nous retourner dans ça que tu dis parce que écoutez si moi gain on CP qui chita entre eux qui décide sur une série de bagaille qui dit pendant telle période mais qui ça nous va le faire. Tout le monde est là, pas un monde qui a été forcé. Tout le monde est là, on a pris une décision ensemble. Quelques jours pas passé, en fait, disons quelques jours passé, et puis tout le monde est en envie de changer position. Tout le monde est absécué quoi yo là, parce que ça y a même encore des signes. C'est comme si on était forcé au ciel, c'est comme si, bah qu'on est, y a pas disposé de toute faculté mentale, intellectuelle, yo les autres signes là. Donc tout le monde là obligé à s'écouer quoi yo parce que yo jugé que ça va bon pour yo. Nous tout fin accepté que nous supposé gagner un seul coordonnateur, un seul monde qui vous diriger conseil là. Pendant toute période là. Nous tout accepté pour un seul président pour conseil là, mais quelques jours après, moins de mois après, chaque monde voulait tirer de drap au côté pa yo. Chaque monde veut essayer qui pour bon OK. Moi question m'a posé. Les Edgar Leblanc fils fini à période 5 mois là m'quoi t'a supposé passer by t'a supposé passer ma connan by Smith Augustin je crois. Maintenant, qui ça conseil en pral fait sur Smith Augustin que le pat déjà a fait Souray Edgar Leblanc fils. Bon, m'dan, mais ça, on m'explique.
d'aimer ça bon baron si c'est un conseiller ça blesse Smith Augustin ou bien Ahmed Galou la fils ou bien n'importe dans conseiller qui t'a qu'à expliquer ça pour me comprendre qui ça conseiller là fait comme travail sous Smith Augustin qui ça va faire comme travail sous Leslie Voltaire que il pas qu'à faire sous Edgar Leblanc fils maintenant c'est quoi l'enjeu de ce changement continuel pour qui ça monter monde descendre monde ça pour qui raison qui ça cap jouer là OK qui ça cap jouer là on pas comprendre non là est-ce que pral gon politique est-ce que pral gon forme de politique est-ce que pral gon on vision certaines visions du gouvernement et de la chose publique qui pral en marche sous Edgar Leblanc fils et l'esprit Augustin paraît qui pap là maintenant s'il ta ça qui ça nous pral faire premier ministre là chaque l'année nous changer jouer n'a changer premier ministre tout m'pa comprendre non OK bon on dit pas bien changement on dit que pas bien changement de politique c'est même bagarre la caprété pour qui ça changement ça si c'est même travail pour qui ça Edgar Leblanc fils obligé passer comme dans Baye Smith Augustin obligé passer Baye Leslie Voltaire obligé passer Baye l'autre et candidat Louis Gérald Gilles pour qui ça ça veut dire là pendant cette période 21 mois tout nèg besoin président ça pour voir en Haïti ça va qui fait monsieur Damio rêver m'saisi apprendre gon conseil pas la comique oui un conseiller présidentiel qui pas même gen droit de vote qui t'a bloqué en zone pour le cal faire market monsieur sérieux ça gen façon de pas provoquer un peuple m'a retourner sur madame après oui m'ta aimé on moun expliquer m'ta aimé on moun fait moi clair fait moi comprendre en jeu et où était moun mettez moun nan où était moun mettez moun ça fait 5 mois collé de elle ça ba on 5 mois tout ça a kembe pour 7 mois m'ta remé au moun on fait me comprendre qui ça qui en jeu donc du coup sécurité en gétant pas en priorité encore c'est combien de temps on fait ce pouvoir du coup organiser élection déjà son bagage qui paraît irréaliste il faut le dire parce que dans le contexte pays ça est là contexte d'insécurité que nous il a dit que on pral organiser élection pour mettre un nouveau président le 7 février m'a dit élection forcément pas ka fait mais est-ce que gon élection toute bon élection qui respecte sa condition qui t'a souhaité réunir pour élection fait là est-ce que gon élection comme ça ka fait vrai pour mettre un président élu le 7 février 2026 pour moi c'est un peu irréaliste. Maintenant que tout chantier ça qui est super important. Alors là nous sous tout temps ça nous n'a goumé toujours. Mais mon premier ministre nous pour qu'a choisi. Bah même quand pour combien de temps parti là avant réussir mon premier ministre là. M'pas comprendre. Qui ça gagne là qui ça on est gap tiré comme bénéfice pour que chaque nèg besoin râler drabo côté yo go dit que di bagay mafia ka régler non mais c'est vrai donc yo né yo monsieur Damio ban nou côté pour nous poser question madame nal fait market pour besoin personnel assurément li bloqué en oui. Li bloqué entrer sortie market là. Donc policier bloqué bois parce que là un personnage important de la République qui a fait un petit market là. Donc bah là li pas ca libre comme ça, vous comprenez? Espace là pas ca libre comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose de entre guillemets grand pampan, faut nous ouais que gon autorité qui là. Un membre observatrice qui pas gain droit de vote autrement dit qui pas gain aucune influence
en dans conseil là li bloqué en rue pour la faire maquette non on pays comme ça pour un monde a affiché pouvoir vous l'a pas affiché bon qui pouvoir d'ailleurs qui ça l'a fait d'ailleurs comme travail donc est-ce que c'est même folie pouvoir ça folie montrer que c'est moi qui a dirigé ça est-ce que c'est lui-même qui inspiré chaque nèg qui fait que chaque nèg besoin petit moment de gloire yo qui fait que chaque nèg besoin pardon titan c'est pour diriger CPA est-ce que c'est lui est-ce que c'est folie pouvoir ça bah qu'on est expliquez-moi ça veut chaque nèg besoin pendant un moment c'est pour signer pour dire que j'étais président également de la République bah comprendre là qui ça intérêt à y et la question fondamentale c'est où est Haïti dans tout cela c'est question fondamentale là oui qui place Haïti jouer dans jouet et jeter ça qu'en fait là qui côté Haïti trouver bon déjà est-ce que Haïti trouver dans schéma ça si Haïti trouver dans schéma ça c'est qui côté lié exactement la donne donc monsieur dame râlé dra nous une sous l'autre bon et chance ouais même moun qui observateur beaucoup yo te mande droit de vote yo te commencé mande droit de vote déjà yo elle était cou derrière yo te commencé mande droit de vote mais c'est son pays comme si chaque lè ou pense au fin ouais et pour dit ou ouais que ça ouais là beaucoup hein j'ai misé là dit là ça ouais là beaucoup hein parce que gon on dernier bagaille qui dé encore ouais un monde qui entre dans conseil qui pendant la rentrée il entre parce que structure là un tu as accepté que y a vraiment un observateur sans droit de vote à l'entrée structure là informel c'est pour ça l'entrée quand même les landan dit faut bal droit de vote elle besoin qu'a décider tout donc son pays met là on a de l'argent fait chien danser mon cher pouvoir faire nèg femme ici danser vous comprenez tout nèg avec tout nèg femme avec ses réalités là sur avec ses yeux qui pour dominer ses yeux qui pour gagner contrôle tout bagaille et entre-temps qui fait les frais c'est bien sûr Haïti qui fait les frais c'est bien sûr le pays qui fait les frais c'est bien sûr monde graissé qui fait les frais OK c'est moun gressier qui obligé après les en mouy parce que y a boulé kayo c'est eux qui fait les frais pendant que chaque nèg chaque femme qui dans conseil électoral là commencé à yaya koyo là parce que chaque gè trois machines flambant neuf qui commandé pour yo parmi yo on blindé pour chaque moun k'ap vini là OK. Il y a en pile procédure, en pile démarche qui pour faire pour machine venir. Mais ça géré. Rapidement là toute procédure qui travail machine a venir. Il y a en pile procédure tout pour passer l'ordre pour déchouquer nèg pour bail sécurité dans veilla. Un procédure ça prend plus temps passer procédure machine, vous comprenez? Procédure ça sur 5 10 ans, il pas jamais ca aboutir. Processus machine là rapidement là 2 3 mois voilà on va peut-être des discussions dans conseil là pour ça on va peut-être des nèg dit non mon cher c'est on machine vle m'a besoin cottage on va peut-être des nèg dit non là tout monde entend yo bon nous trois machines on blende là dedans là nous entend nous là comprendre nous entend nous à l'aise là ban nous trois machines ça trois machines tout monde gon consensus sur lui ouais m'entend ça parler gon consensus sur lui trois machines 27 machines au frais de l'État
l'État semble pas jam les machines. 27 machines aux frais de l'État. Vous comprenez bien ce qui est vrai, mais mes amis, nous te connaissons ce qu'il est déjà. D'ailleurs, on pile là nous. Mais là, on a un visage de même. Il va même connaître nous-mêmes. Vous savez, dans nous là, bon, il va même connaître nous. Ok? Nous être prêts là, il y en a plein à pied, il va même ouvrir nous-mêmes. Mes amis. Bon. C'est là, il y a ouvrir nous de cette machine avec pile sécurité. Et il est là, qui est-ce, mon ça? Il est dans le conseil là. Conseil, qui conseil? Ça l'a fait. Elle est là, au moins, il y a un visage. Vous voyez, m'as-tu vu nous encore qu'a fait ouvrir nous? On pile là nous pas même connait même mais n'abjé bon peut-être tout c'est ça fait n'abjé pouvoir parce que nous voulons rassurer nous que nous fait un passage marqué. En tout cas monsieur a coup de tirer parce que chaque nèg besoin petit parti chaque nèg besoin petit parti au moins. Bon, bah dis-moi, environ 2 à 3 semaines depuis CP1 installé. CP1 fait plusieurs actions. Puis faut là-dedans aussi. Goumé entre eux pour qu'on qui est capable de contrôler CPA. Ratio qui pas goumé entre eux là, c'est mettez note de sympathie de eux. Rien quoi. Donc son CP qui a avec une autre. C'est des écriveurs. M'a dit écrivain, non, c'est des écriveurs. Des écriveuses de notes de soutien, etc. En tout cas, continuez à pousser, mesdames, continuez à pousser, messieurs. M'a toujours dit non, songez à Haïti au milieu de tout ça. Et, bon, dis-nous. What peuple ça? Nous méprisons. Nous pas bay règle rien pour nous. Qui jodi a mouri. Comme si nous voulons un jour rien pour le lever. Parce que attendez. Ou ka mette un monde dos au mur, j'en veux. Ou ka pousser le continuer pousser le j'en veux. Mais quoi me souvle? Gon l'a prendre ni compte que nan gens l'a enfoncé dans mur là, l'a fini par mourir quand même. Et Jules gen conscience tout bon que la fini par disparaître laisse al pap gen l'autre choix que disparaître ensemble avant et laisse ça nan mur ça qui va enfoncer là la fait fort pour sortir la donne et pour prendre colère tout et rage toute rage t'a pas accumulé pendant ou t'a poussé dans mur tout net a délivré en seul coup et c'est juste ça oui moi m'attend peuple là. Continuez à gérer cette place, non? Vous comprenez? Continuez dans la situation que Haïti y est là, je dis. Continuez besoin de pouvoir. Non pas pour nous résoudre problème insécurité. Non pas pour nous résoudre problème élection pas qu'a fait depuis combien de temps là? Depuis plus de 7 années? Ouais, non pas pour nous résoudre problème ça. Non pas pour nous faire Haïti tout nos pays tout bon selon ça qui gagne comme élément qui caractérise un pays continue goumer pas pour ça non mais continue goumer pour nous gérer petit parti pas nous anti les pas nous anti petit moment pouvoir pas nous continue mais jou peuple a révolté laisse ça n'a dit son petit peuple sauvage son petit peuple barbare. Parce que m'toujours être discours ça toujours pareil. Oui? C'est comme si tu discours ça tout écrit en côté et puis c'est temps il y a plein de peuple en qui sorti seulement et puis pour la gueule. En tout cas, Napton monsieur Edgar Leblanc fils. Monsieur Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil. La même impression son président sans force hein. Son président qui subit les assauts, les vagues de l'armée, ça qui entoure là, parce que
l'air ou entouré avec une équipe moun intéressé une équipe moun qui yo chaque gain comme intérêt non pas intérêt structure que nous tout nous la dedans mais intérêt de classe intérêt de groupe individuel yo. Donc c'est en fait tout à fait normal son bagage tout à fait normal pour que mais on pas ca avancer et c'est ça oui j'ai l'impression et dans ça oui j'ai l'impression Edgar Leblanc fils voilà tout secteur a gommé et puis monsieur lui-même li nan mi temps OK et puis il sent réel pouvoir d'action. Jeudi, c'est 14 mai 2024. Donc ça fait 13 ans exactement depuis une plus grosse catastrophe politique qui dégain pour arriver dans pays arrivé, c'est l'arrivée au pouvoir de Michel Joseph Martelly. Elle nous donner sorti dans pause là. Nous va parler de ça. N'a pas un coup de pause mesdames et messieurs. À tout à l'heure. De femme et vous aimeriez l'être encore plus tous les jours? Pas de soucis! Les professionnels de Lasky Beauty Salon savent comment prendre soin de vous et magnifier votre beauté. De la tête aux pieds, aucun détail ne sera négligé. À Lasky Beauty Salon, vous ne vous faites pas uniquement coiffer, vous êtes conseillé sur les meilleurs produits qui conviennent à vos cheveux. Pour une occasion spéciale ou juste pour vous faire plaisir, pensez à Lasky Beauty Salon. Manucure, pédicure, maquillage, tresse africaine, locks ou plus encore, ressortez de Lasky Beauty Salon avec un look de diva comme si vous alliez faire la couverture d'un grand magazine. Lasky Beauty Salon, c'est aussi la mode au masculin. Quel que soit votre style, vous êtes certain de trouver un coiffeur qui comprendra exactement ce dont vous avez besoin. Et pour compléter votre look, Lasky Beauty Salon vous offre un département accessoires très achalandé. Vous y trouverez des chaussures, des sandales, des bracelets-montres, des sacs à main et plus encore. Passez-nous voir dès aujourd'hui au 14 de la rue Aubran à Pétionville et laissez-nous prendre soin de vous. Pour information, appelez-nous au 33 93 69 70 ou au 33 55 45 77. Une belle tête de femme et vous aimeriez l'être encore plus tous les jours? Pas de soucis! Les professionnels de Lasky Beauty Salon savent comment prendre soin de vous et... Coronavirus à choléra fait un pile monde comprenne plus bien importance laver mais avant de manger et puis bien laver fuit avec les légumes pour protéger tête yo contre un pile maladie grave qui passe spawn semaine day dans pile fun. Geste ça yo a toujours important pour tout reste la vie nous. Attention, pas capon. Prévention, c'est richesse. Nana coupe gwen ou gan ou zèl voye di nou vin kase chen a kòd ki mari persécution pa ka jwenn travay persécution pa ka fè piti persécution pa ka paye kay persécution pou pa jwenn visa rele ou gan ou zèl ou bien whatsapp nan 215 954 7150 peristyle ou gan ou zèl chita kòl nan 23 Senton Avenue Philadelphia 19138 kèl ke swa kotoye nan mond lan depi kòd lombri gran paran ou yo plante Ayiti ou se ayisyen apre nou se nou si ou pa gen pour venir dans l'habitation, relé au Ganzel, commander ben ou, la vin jouen nous. Ben Majok, ben chance naturelle, ak ben Guillon pour déguillonner tout sac Pavlo, fait succès, gagne en bolette et la trier. Pas quitter jou barre ou, vini au soir relé dans 215 954 7150 pour chercher qu'on est. Aïe bobo! Depuis création libre comme force républicaine, police nationale d'Haïti continue à prendre les missions li, protéger la vie avec bien population,
Pour répondre à l'engagement, chaque institution a passé à mobiliser toutes les ressources mondes avec matériel lié, une façon pour capable satisfaire la population. Pourtant, pendant les dernières années, à cause du phénomène de banditis, la PNH l'a obligé à adapter leurs soucis pour combattre plusieurs gangs armés qui pensaient qu'ils étaient capables de terroriser la population. Face à un plein banditis, qui a développé sous différentes formes, la population a un rôle important de jouer dans continuer à collaborer avec la force police. Une démarche, commandant chef PNH, Franz LB, qui est capable de faire un pile résultat positif. On continue de couper, on met en main la population avec la police. Nous sommes capables de faire un pile de bagailles à anti-crasse. Moment, son moment d'unité, tête ensemble, main en main pour que nous puissions sauver Haïti. Dans le cadre de mariage ça, entre population et la police, qui est capable de permettre la police de démanteler tout réseau de gang et puis faire la paix retourner dans le pays, DGPNH, la France LB, profite de sa volonté, détermination et engagement de tous les policiers qui baillent tout eux-mêmes dans le cadre de combat ça. À nous mettre ensemble, courir force police. Parce que nous croyons un mariage police-population. Un mariage différents secteurs dans le pays. Pour nous courir la police dans la lutte que la mené contre les bandits. Nous avons fait un pile de bagaille sans que nous n'avons besoin de gros moyens. Mais nous avons des têtes ensemble. Nous avons des unités. Nous avons des nous. Et m'encourager, base la police là, sortir agent 1 pour arriver dans le directeur général, nous, grand frère nous, que nous ferons seul pour affronter la réalité aujourd'hui. Nous respect la loi, nous respect la constitution du pays. Yon l'autre bord, directeur général à la police nationale là, Franz LB, continue à lancer un appel vibrant à tout secteur dans la vie nationale là, la presse en particulier, qui toujours gagne un rôle important, li jouer dans tout engagement qu'elle prend pour avancement société. Tout policier, mais non, mais n'a pas continué combat pour sécurité et tranquillité dans le pays. Yon mariage police-population, yon mariage. Police presse. Nous avons fait un pile bon bagaille avec anti-crasse moyen. Combattre grand banditis là sous toute forme dans le pays, c'est une principale priorité au commandement PNH là, qui continuera possible avec diverses opérations tout partout dans tout le pays. Chaque jour n'a qu'à ton bal à chanter. Maman dit c'est t'as senti mal. Papa bon Dieu dit un mot souple. Pour tout crime ça y'a qu'à camper. Quand pile dans nous qui termine. Y'a pas nous hommes pour faculté. Fait entre nous chaque jour n'a tiré. On s'en fait nous n'a fait couler. Chaque gouvernement qui monte. Aucun changement libre. Voilà, nous retournons après pause publicitaire là. Merci à vous-même qui rete branché émission Tibat Bouche sur RSF TSF. Merci pour fidélité à radio a, et surtout à émission ça. Pas oublier émission ça pour présenter au lit. Non pas c'est Rubens Isma. Jean Tabdil avant pause là. Jeudi c'est 14 mai 2024 li marqué 13 l'année depuis arrivée Michel Joseph Martelly ou du moins n'ta ka di nan on langage ki pilage moun tête calé régime tête calé hein sous pouvoir en Haïti et depuis yo pou ko jambe di on nous dit ça hein. Donc il prend diverses formes, il prend pause, mais c'est toujours même régime là qu'il a. En fait, Dominique,
m'a quand ça passé m'a bien tendu tête moi. En fait qu'on thème que palestinien yo qu'on utiliser il a parlé de débattement Israël dans les années 48 sur espace terrestre, il a parlé de la Nakba, la catastrophe. Donc en Haïti, c'est fondage un thème tout la catastrophe. Moi me dit que à partir des années 2010, nous entrons dans l'autre dans ça n'ta carré une césure de l'histoire côté que nous sortis dans une réalité sociale et politique pour nous entrer dans l'autre. Et changement ça, il est marqué par le tremblement de terre 2010 là, comme catastrophe ou bien comme élément qui surtout caractérise les questions sociales, économiques, etc. Mais surtout par arrivé régime PHTK qui lui-même plus géré aspect politique là. Bah j'ai oublié dans l'époque ça la déclaration bon dans discours d'investiture président nouveau président dit nous que Haïti nous pas vle ouais a c'est li nous valoir. Donc baron est si me trompe de qui ça le dit parce que beaucoup gens m'ont entretenu avec président ni mon entourage li. Mais je suis certain que Haïti m'a regardé aujourd'hui hein. C'est Haïti m'a jamais le ouais. Et moi le vrai. Donc si m'ta basé sur ça m'ta ka dit que bon le l'ancien président il a tenu sa promesse. Il nous a donné l'Haïti que nous pas de vrai ouais. Exactement Haïti que nous pas de vrai ouais. Mais m'ta dit que c'est une catastrophe que 14 mai, disons mieux, 2011, c'est l'entrée dans la catastrophe qu'il marquait pour nous. Parce que si je dis, on a parlé de tout ça, on a parlé là, insécurité, ok, impossibilité pour faire élection, en série de bagailles, nous pas qu'à ignorer le poids de régime politique qui était dirigé pendant 10 dernières années ça 10 15 dernières années ça nous pas qu'à dire que c'est seul groupe politique qui la cause pays dans tout ça là non parce que il faut accepter aussi que ça que nous vivons aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui c'est l'accomplissement bien m'a dit la résultante de une série de travail, bon me dit comme ça, qui fait en volonté inouïe de yon ou plusieurs secteurs politique, économique et latrier pendant plusieurs décennies et qui ban nous ça que nous gagne là. Mais parce que la décennie la plus marquante mais 15 années qui plus marquante il y en a question ça c'est 15 dernières années que nous connaissons. OK? Qui plus marquante et qui a lui même seul dit en pile sur qui capable dit nous en pile. Non démarche historique. Non, faire recherche parce que 15 dernières années ça t'a dit nous en pile sur comment nous fait arriver dans situation que nous y aujourd'hui. Donc la catastrophe était annoncée, on le pressentait, mais comme nous sommes parfois qui rien mais ouais nous avons l'esprit curieux vous savez donc on a tout de même tenté et aujourd'hui n'a vive je dis
m'ta dit le summum de la catastrophe. Catastrophe là de commencer déjà. Déjà le choix. Investiture de catastrophe là déjà mais là c'est le summum hein. C'est dernier niveau, c'est le point culminant. Et pendant m'a dit le point culminant, moi me dit tout que si nous pas fait rien, si nous pas décidé commencer à agir, jodi nous ca saisir nous ca monter toujours. Nous ca arriver plus haut toujours dans catastrophe. Ou bien me dit de préférence nous ca descendre plus bas toujours. Parce que c'est ça. Et nous souvent dit que nous va ca descendre plus bas. OK? Nous c'est ça même qui fait nous apprendre chance. Nous fait de bagaille peut-être en pile fois sans réflexion. C'est parce que nous dit ça c'est dernière limite là, n'point descendre plus bas possible. OK? Ou sinon nous toujours un discours qui comment dire? M'pa konnen si c'est parce que être haïtien sont être qui gen bon cœur ou bien qui humble ou peut-être qui naïf également. Mais nous toujours ap di que on nous fait tel bagaille, un tel pas privé dans tel niveau, un tel va faire tel bagaille pas possible et cetera. La prend conscience, la ceci, la cela et puis à la fin on va voir qu'on s'est trompé. Donc bah c'est que c'est une bagaille qui mène nous côté là. Même si nous ka di et tout c'est pas nous seulement k'ap di, c'est tout preuve qui là qui montre que la communauté internationale bon, thème ça son thème encore pour nous repenser la communauté internationale il te travaille pour guider nous dans joindre régime ça et surtout consolider pouvoir et à un certain niveau mener nos continuer là. Oui, il y a des éléments tangibles qui montrent ça. Mais en tant que peuple, il ne faut pas aussi se déresponsabiliser totalement. Qu'auteur qui dit ça, oui, pas son génome. Il dit que chaque peuple gagne un dirigeant qui le mérite. Point barre. Chaque peuple gagner dirigeant que vous méritez. Et l'idée c'est que peuple a secouer quand même si que monde que l'a dirigeant pas répondre à aspiration comme peuple. On parle de aspiration de peuple. Donc si peuple pas révolté, si peuple pas chassé moun kap dirije li yo, si peuple pas courir des dirigeants li yo, c'est parce que peuple mérite dirigeant que le gagne, sinon il fait choix implicitement de dirigeant que le gagne. Et abou grand merci moi toujours ap di moun entourage mais faut qu'il aille voter non même si moi même depuis l'âge pour me voter. Mais c'est pourquoi j'aime faire élection pour bonne possibilité pour m'exprimer. Pour m'exprimer comme citoyen, mais c'est pour ça. C'est pour ça que toujours dit mon pour voter. Parce que, quelque part, quand on accepte tout, on devient en quelque sorte complice de son propre malheur. On n'est pas seulement victime. C'est comme si on est à la fois victime et à la fois complice de notre propre malheur. Donc oui, c'est la Nakba haïtienne, disons mieux. Oui, c'est la catastrophe haïtienne, je le dis et je le répète, c'est la catastrophe haïtienne à partir des années 2010 et 2011.
sur le plan social, économique et aussi sur le plan politique. C'est la catastrophe haïtienne. Mais aussi, si nous pas bouger comme nous, si nous pas secouer comme nous, c'est que nous sommes nous aussi complices de notre sort. Parce que ouais, nous toujours dit oui, il faut que la communauté internationale fasse ci, il faut le faire ça. Ouais, on force qui vous vient là. Bien que moi-même, j'ai toute réserve moi par rapport avec question force qui vous vient résoudre le problème de sécurité. Parce que bah, c'est ça, ça a un élément de solution. Ça, c'est position personnelle. Moi, ça a un élément de solution. Bon, surtout conjoncturel. Mais, question sécurité, hein, il est vraiment allé plus loin que ça. Ça, c'est position. Mais, on nous garde son autre aspect, on nous quitte l'aspect position pas maintenant, on nous garde son autre aspect. Ouais, on force qui pour venir là. Communauté internationale. Ouais, communauté internationale là qui va aller monter descendre, yo fait là. OK? Maintenant si c'était pour communauté internationale, ça tout haïtien des films oui. Mais contrairement avec tout ça tout monde d'accord avancer. Moins sous point ça m'pa gagner moi pour chez non parce que nous sommes un peuple, nous avons des dirigeants, nous gagne de monde qui a touché l'argent l'état pour foncer de travail, donc c'est à yo pour bailler sécurité, c'est à yo pour assurer que yo gagne contrôle du territoire, donc m'pa ka quitter, m'pa ka pas exiger de dirigeants mis en série de bagay, et puis pour m'a dit la communauté internationale de supposé aider nous, de supposé porter, mais non, certes la question relation pays avec pays gen de bagay yo supposé gen de aide qui capable bay gen de, mais ça fait un accord entre pays yo, donc c'est pas une question de moun k'ap vin sauver nous. Avant, il faut faire appel aux blancs, aux noirs. Bon, comme nous, vous voyez blanc pour nous déjà, blanc, pas jamais si loin, vous voyez noir pareil, nous encore. Ok? Maintenant, c'est pas une question de tout temps, c'est sauver pour venir sauver nous, alors que nous avons deux mondes qui ont payé pour faire un travail. La solution doit être haïtienne. La solution doit être haïtienne. La révolution également doit être haïtienne. Maintenant, si nous pensons que c'est seulement Chita la plein, ou la communauté internationale a fait 10, a fait date, il nous a donné Martelly, il nous a donné nos dirigeants, etc. Tralala, et bien nous faisons carrément ça. Donc, 14 mai 2024, c'est la Nakba haïtienne, c'est la catastrophe haïtienne. Mais, je dis, nous avons un devoir, l'obligation morale, comme peuple, pour nous engager, nous avons une voie qui permet de nous sortir. Son devoir, c'est pas même une option, non? Son devoir, oui. Son devoir pour que chaque citoyen porte contribution pour nous sortir dans cette année là, je dis, hein. Et puis gros héros nous ka fait. C'est tant de monde qui te mette nous là raline sortir. C'est puis gros héros nous ka fait. Nous va connait monde qui mette nous là. Nous connait. OK? Puis gros héros nous ka fait, c'est quoi que c'est même monde ça encore qui va raline menen dehors. Solution, c'est nous, c'est dans nos boules sorties. C'est peuple là qui peut sauver peuple là. Vous comprenez? C'est peuple là qui peut sauver peuple là. Je dis, hein, n'a subi, n'a vive les conséquences des décisions qui ont été prises, notamment
lors, au cours de ces 10 dernières années. Mais pas seulement au cours de ces 10 dernières années. On est clair sur ça. C'est surtout ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, c'est surtout ça. Yo. Mais ce n'est pas seulement ça. Au cours de ces 15 dernières années, on a accéléré le processus d'effondrement du pays. On a accéléré le processus. Mais le processus a été enclenché bien avant et vraiment des dizaines d'années avant. OK? Dernièrement, un concitoyen qui a porté que la marché dans la rue et puis il croise un grand monde. Grand monde dit monsieur, na yo kon kraze pays vrai, monsieur. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, dans la dernière année ça, ou gen impression que tous ceux et toutes celles qui nous ont dirigés, ce sont des spécialistes, des experts. Dans le cas de pays. OK? OK? C'est des experts dans le cas de pays. Mais, ces pays a crasé, hein, mais yo vin pi bèl, mesdames, yo vin pi bèl, hein? Owen, yo vin pi bèl, gade, al gade, qui dirige une dernière année, ça. Yo vin pi bèl là, mais yo, owen, ces pays a crasé, c'est moins avoir qui pas qu'à circuler, c'est nous qui subit les assauts. Mais, nèg yo a fami yo vin bèl yo a pa. Yo vin bèl nèg. Owen? Owen? Donc, est-ce que n'a pas continuer comme ça? Maintenant, catastrophe ça qui était annoncée avant 2010, qui accéléré à partir des années 2010 et 2011, et qui je dis semblait atteindre point culminant. Semblait oui parce que bagarre dit nous pas aller plus loin. Maintenant comment la courbe va être inversée? Qui pour mettre fin à ce cycle d'effondrement? Qui pour donner une nouvelle orientation à ce pays? Qui est-ce? Et par qui moyen? D'ailleurs, est-ce que le processus a continué, le processus de destruction a continué? La réponse est bien sûr non. On ne pourra pas. Mais qui pour faire autre chose? Ça, on ne le sait pas encore. Bon, l'autre semaine, dans la brale réélection, je connais que le brale vient défiler là devant. Bon, mes amis, regardez qui j'en ai dit brale réélection, t'as comme des grosses certitudes. Bon, on nous dit, l'autre semaine, dans brale réélection. Bon, nous dit ça t'a fait. On nous imagine un scénario côté CPA respecté ça qui te dit dans moniteur 2 avril. On nous dit pour aller élection pour mettre un président 2 avril. Nous on est l'autre semaine là depuis pour aller élection pour commencer défiler sous plateau RSF là. Oui, on va mettre capter petit parti ça dans l'émission. On va défiler là vinn promettre Monts et merveilles. OK, ce sont des seigneurs du temps. Ce sont des maîtres de l'univers qui prennent dire que ils ont la capacité de tout faire. Ils ont la capacité de tout gérer, de tout remettre en ordre. Ils prennent rien de solution pépère, de solution tout faite pour venir résoudre problème là. Mais qui réellement? Qui effectivement à les couilles ou les ovaires pour nous retirer nous dans ça nous là et mettre nous sur l'autre chemin. En dehors des couilles et des ovaires, qui est-ce qui gagne la volonté réelle et manifeste
pour que les retirer nous dans sanier là question ça par contre si n'a pas réponse avec l'ange qui va venir et pour kounya c'est pour le cas voilà pour présenter émission Tibat Bouche jeudi non pas c'était Ruben Sisma et bien sûr moi bon rendez-vous pour demain si Dieu veut même l'heure à partir de 1h00 sous fréquence avec sous page Facebook et YouTube RSF TSF pour l'autre plus belle émission. Pas oublier ou même entre-temps ou supposé ba tête mission en tant que citoyen pour poser action parole là pour pays. C'est vrai que situation ka paraît noire côté que nous gain pression que nous pas gain contrôle rien mais songez tant que nous vivant Haïti il continue exister parce que Haïti c'est pas bout de terre. Haïti c'est nous-mêmes citoyens. Donc poser action pour la jodia et rassurer que ou pas poser aucune pierre pour mener nous plus loin dans effondrement que n'a connait jodia. Allez tout le monde bonne fin de journée, rendez-vous demain 1h même fréquence. Bye bye tout le monde. Chaque jour n'a guet ton bal à chanter.